The white-plumed antbird, Pithys albifrons, is a small species of insectivorous bird found in the understories of rainforests. It is smaller than most species of its family, Thamnophilidae, weighing 26 grams on average. The family Thamnophilidae is known commonly as the antbirds, as they use the presence of ants, army ants in particular, to locate food. This species is largely solitary except during the breeding season, and different individuals will follow individual ant swarms. The white-plumed antbird, Pithys albifrons, is a small species of insectivorous bird found in the understories of rainforests. It is smaller than most species of its family, Thamnophilidae, weighing 26 grams on average. The family Thamnophilidae is known commonly as the antbirds, as they use the presence of ants, army ants in particular, to locate food. This species is largely solitary except during the breeding season, and different individuals will follow individual ant swarms. The white-plumed antbird is monomorphic, meaning both sexes look the same. Adults have extensive rufous chestnut plumage on their body, with contrasting black wings and head, and their signature white throats and feathered periocular tufts. Their feet and tarsus are bright orange. White-plumed antbirds have an average total body length of 13 centimeters, 4.6 centimeters of which is tail. Their bill is 1.16 centimeters long and only 0.47 centimeters wide on average. Indicative of its insect food source, young birds will have rufous-colored tips on their secondaries and a grayish head, without the white plumes or rufous collar. The species is found in Brazil, Colombia, Venezuela, Ecuador and Peru, also the Guianas, Guyana, Suriname, and French Guiana. Its natural habitat is tropical moist lowland rainforests. The white-plumed antbird appears in higher abundances in forests with high canopies, high vegetation complexity and many plant species in the Amazon basin proper. Except in the headwaters of central Peru, the white-plumed antbird is found only north of the Amazon River, in the northeast, Guianas, and in the northwest. From Amapá and Cayenne westward to the Andes from southern Venezuela to northern Peru, they have been found at elevations of up to 2,250 meters, 7,380 feet elevation, Mount Huida, Venezuela, and 1,800 meters, 5,900 feet, Cordillera Cutacu, Ecuador. They show higher survival in the eastern Amazon rainforest than in the western. Each individual occupies a home range exceeding 200 hectares, 490 acres, in order to ensure that swarms of army ants to follow to food can be found at all times. They will avoid open habitats and will not cross rivers. They have, however, been found crossing roads to get from one patch of forest to another. White-plumed antbirds are very persistent in holding on to territories and may remain even in case of conflict with other individuals. If enough food sources are available, they are generally solitary outside of the breeding season and will tend to follow individual ant swarms through the forest. Like other antbirds, they perform anting, which is the process of brushing small insects through their wing and tail feathers. It is still unknown whether the main function of this process is to ease irritation during molting, kill mites, or detoxify distasteful insects. The white-plumed antbird is an insectivore that eats insects, arthropods, and at times lizards. Like all obligate antbirds, they rely on army ants to flush out these prey from the leaf litter. Le fourmilier à plumes blanches, Pithys albifron, est une petite espèce d'oiseau insectivore que l'on trouve dans les sous-étages des forêts tropicales. Il est plus petit que la plupart des espèces de sa famille, Thamnophilidae, et pèse en moyenne 26 grammes. La famille des Thamnophilidae est connue sous le nom de fourmis, car elle utilise la présence de fourmis, en particulier les fourmis militaires, pour localiser la nourriture.
Cette espèce est en grande partie solitaire, sauf pendant la saison de reproduction. Et différents individus suivront des essaims de fourmis individuelles. Le fourmilier à plumes blanches, Pithys albifron, est une petite espèce d'oiseau insectivore que l'on trouve dans les sous-étages des forêts tropicales. Il est plus petit que la plupart des espèces de sa famille, Thamnophilidae, pesant 26 grammes en moyenne. La famille des Thamnophilidae est connue sous le nom de fourmis, car elle utilise la présence de fourmis, en particulier les fourmis militaires, pour localiser la nourriture. Cette espèce est en grande partie solitaire, sauf pendant la saison de reproduction. Et différents individus suivront des essaims de fourmis individuelles. Le fourmilier à plumes blanches est monomorphe, ce qui signifie que les deux sexes se ressemblent. Les adultes ont un plumage châtain roux étendu sur le corps, avec des ailes et une tête noire contrastée, ainsi que leur gorge blanche caractéristique et leur touffe périoculaire à plumes. Leurs pieds et tarses sont orange vif. Les fourmis à plumes blanches ont une longueur corporelle totale moyenne de 13 cm, dont 4,6 cm pour la queue. Leur bec mesure 1,16 cm de long et seulement 0,47 cm de large en moyenne, ce qui indique sa source de nourriture pour les insectes. Les jeunes oiseaux auront des pointes de couleur roux sur leur secondaire et une tête grisâtre, sans les panaches blancs ni le collier roux. L'espèce se trouve au Brésil, Colombie, Venezuela, Équateur et Pérou, également les Guyanes, Guyane, Suriname et Guyane française. Son habitat naturel est les forêts tropicales humides des basses terres. La fourmilière à plumes blanches apparaît en plus grande abondance dans les forêts à haute canopée. À végétation très complexe et à nombreuses espèces végétales dans le bassin amazonien proprement dit, à l'exception des sources du centre du Pérou. La fourmilière à plumes blanches ne se trouve qu'au nord du fleuve Amazone, au nord-est, Guyane, et au nord-ouest. D'Amapá et Cayenne vers l'ouest jusqu'aux Andes depuis le sud du Venezuela au nord du Pérou. Ils ont été trouvés à des altitudes allant jusqu'à 2250 mètres, 7380 pieds, MT. Duida, Venezuela, et 1800 mètres, 5900 pieds, Cordillera QQQ, Équateur. Il montre une survie plus élevée dans l'est de la forêt amazonienne que dans l'ouest. Point. Chaque individu occupe un domaine vital dépassant 200 hectares, 490 acres, afin de s'assurer que les essaims de fourmis légionnaires à suivre pour se nourrir peuvent être trouvés à tout moment. Ils éviteront les habitats ouverts et ne traverseront pas les rivières. Ils ont cependant été trouvés des routes transversales pour se rendre d'une parcelle de forêt à une autre. Les fourmiliers à plumes blanches sont très persistants à s'accrocher à des territoires et peuvent rester même en cas de conflit avec d'autres individus. Si suffisamment de sources de nourriture sont disponibles, ils sont généralement solitaires en dehors de la saison de reproduction et auront tendance à suivre les essaims de fourmis forêt. Comme les autres fourmis, ils effectuent des fourmis, qui consistent à brosser de petits insectes à travers les plumes de leurs ailes et de leur queue. On ne sait toujours pas si la fonction principale de ce processus est de soulager l'irritation pendant la mue, de tuer les acariens ou de détoxifier les insectes désagréables. La fourmi à plumes blanches est un insectivore qui se nourrit d'insectes, d'arthropodes et parfois de lézards. Comme tous les fourmis obligatoires, ils comptent sur les fourmis légionnaires pour débusquer ses proies de la litière de feuilles.